Voilà, sur la fin du. Sur l'atterrissage du cerf-volant, j'ai pas pu avoir la caméra qui filme, mais vous auriez vu que le cerf-volant arrive au ras du sol, a pris une claque de vent de travers et que donc il s'est retourné pour piquer tête en avant. Et bien, ce que j'avais prévu est arrivé, c'est-à-dire que la caméra est restée sur son support et a encaissé bien sûr le choc grâce à la flexibilité des baguettes de carbone. Et puis c'est en réalité le nez du cerf-volant et la barre ici qui ont encaissé le choc sans que la caméra soit atteinte. Pour moi c'est une réussite, il reste un petit réglage parce que le cerf-volant a tendance à aller un peu sur la droite. Donc je pense que ça doit être dû au bridage, qu'il y a un petit réglage à faire pour régler le gauchissement de la voile. Peut-être que la voile elle gauchit un peu sur la gauche, donc il part à droite, un petit peu un phénomène d'hélice. Donc ça je vais le rectifier. Mais cette fois dans des vents un peu plus corrects qu'ici, parce que ici c'est vraiment rock'n'roll. Pour vérifier, donc j'enlève mon nœud pour libérer la boucle. Je ramène juste à la pointe, vous voyez, les brides tendues de chaque côté, je reviens ici et je refais ma boucle. Voilà. Et je réattache ma bride de réglage. Bon, ça c'est le genre de cerf-volant quand même, il faut éviter de le faire voler par des vents de 50 km/h ou plus parce que quand même ça tire, hein. Ça tire vraiment méchamment. Donc, il faut rester maître de son cerf-volant. Moi je pense que c'est un cerf-volant que j'utiliserai dans des zones un petit peu difficiles au niveau aérologique, mais par des vents de 30 km/h au grand maximum. Alors là c'est le contraire. Eh bien c'est bien ce que j'avais pensé. Donc regardez, ici on se décale légèrement sur la gauche. Donc c'est bien ça, donc du fait qu'il y avait un côté gauche trop court et un côté droit trop court, le cerf-volant était gauchi. Un peu comme une hélice d'avion, si bien que dès que le vent forcissait sur la structure, eh bien le cerf-volant partait en hélice, c'est-à-dire qu'il partait là ici du côté droit. Donc ça on va le rectifier et puis je pense qu'au prochain vol on aura vraiment une bonne stabilité même avec un cisaillement de vent de travers. Mais je pense que vous avez assisté là à un baptême, je pense d'un cerf-volant qui permettra de faire de jolis reportages et plus près des bâtiments, plus près du patrimoine, et que je n'hésiterai pas à mettre bien sûr sur le site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cerf-Volant et Patrimoine et qui commence à avoir pas mal de succès. Voilà, et bien écoutez, je ne manquerai pas de partager parce que je suis dans cet esprit là du partage, donc je ferai des plans extrêmement détaillés de ce cerf-volant et du principe de fixation de la GoPro, et ça sera avec plaisir que je le diffuserai sur la toile et à tous ceux qui voudront bien le construire, et je ne manquerai pas de leur donner tous les conseils nécessaires pour réussir cette expérience là. Allez, ciao, bon vol, bon vent, et prenez soin de vous parce que Covid c'est pas fini.